Du DP. Donc aujourd'hui, nous allons voir, comme à l'habitude dans le bistrot, des personnes qui m'envoient des vidéos. Par avance, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des vidéos. Sans vos vidéos, il n'y aurait pas de bistrot. Voilà, c'est le but du bistrot, c'est de partager, de faire connaître des gens autour du diamond painting, autour du loisir créatif. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le diamond painting. Donc il y a du colo, il y a de la broderie, il y a tout loisir créatif est bienvenu. Vous allez même voir de la création, on va dire un atelier d'avion. Bah, je ne vous en dis pas plus, vous verrez, c'est bien, c'est sympa. Voilà, donc... Vous le savez, il n'y en a pas souvent, mais quand je peux, je fais. Voilà. Sauf que là, nous allons faire le dernier bistrot de cette période. Donc, on va laisser jusqu'au mois de septembre, à la rentrée scolaire. Nous essayerons de relancer un bistrot du DP. Donc ça vous laissera quelques temps. Donc après on arrive sur les grandes vacances, c'est pas la peine, hein. Voilà, donc pourtant on n'est que début, quasiment début mai, mais j'ai dit hop, on en mettra un début septembre. Voilà, donc en attendant le bistrot sera en mode fermeture pour congé annuel. Oui, j'aime bien le faire, voilà. Congé annuel, allez, de grands congés, et oui. Mais bon, il n'y a pas de souci, vous aurez des vlogs, vous aurez des lives, voilà, pas tous les samedis les lives, mais de temps en temps, quand je peux. Donc, je vous laisse avec quelques personnes et je vous reprends tout de suite après, il n'y a pas de souci. À tout de suite. Bonjour à tous, donc c'est Marie, j'ai fini la toile pour l'événement printemps du trio infernal. Donc voilà, je vous la montre. Une toile magnifique, pleine de couleurs de chez Oraloa. Je remercie le trio infernal pour cet événement. Je viens donc de commencer un autre petit projet en attendant les prochains événements. Toujours accompagné bien évidemment du stylet. On voit pas bien. De Serge Restory qui sont de pure merveille. Enfin, moi personnellement je vous les recommande à 200%. Voilà. Bon DP à tous! Coucou tout le monde, c'est la petite Zaz. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans le petit bistrot de Steph pour vous montrer un petit peu où je suis arrivée sur ma jolie toile du projet du trio infernal, hein, le projet du printemps. Donc, comme vous voyez, j'avance plutôt pas mal. Donc, je pense que je suis, quand j'aurai terminé cette ligne, je serai à la moitié. Et puis, tout doucement, hein, il reste encore 2 mois, on a le temps. Voilà. Alors, écoutez, je fais une petite apparition ici au bistrot parce que je voulais vous dire que vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Ma chaîne évolue. Oui, elle évolue parce que je vous montre de plus en plus d'autres choses. En ce moment, il y a pas mal de craquage, j'avoue. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre, hein, chez la Ch'tite Zaz et ses thérapies colorées. D'ailleurs, en parlant de ça, regardez ce qui se trouve juste à côté de moi. Encore un craquage.
Donc, si vous voulez découvrir ce que c'est, eh ben, n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà. Encore une fois, merci à Steph de m'avoir invité dans ce bistrot. J'espère que, en tout cas, vous vous amusez bien sur ce projet, sur le projet du printemps. On vous réserve encore pas mal de choses. Le trio infernal n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Salut. Coucou tout le monde, coucou Steph. Alors, je suis un petit peu en retard pour faire la vidéo de présentation de ma toile et ma présentation aussi. Pour le coup, j'avais pas trop eu le temps. Là, je suis en vacances, donc je prends le temps de faire cette présentation. Donc, je me présente. Je m'appelle Sonia, alias Soso. J'ai un certain âge. Elle commence à être avancée un petit peu les boules. Donc, j'ai 49 ans. Ça fait plusieurs années que je fais des loisirs créatifs. J'ai découvert le diamond painting il y a à peu près, on va dire, 2 ans peut-être. Maintenant, ça doit faire 2 ans. J'ai connu, je participe forcément à l'événement du trio infernal. Isa, Nano et donc Steph. J'ai choisi donc de prendre cette toile. Donc je vous montre comme ça, c'est plus facile. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Je vais peut-être éteindre ma tablette. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc c'est une 1 mètre sur 70. Je l'ai donc achetée à Jackie. Parce que bah, elle se séparait de toiles. Alors elle en vendait plusieurs et j'ai choisi celle-ci parce que bah, c'est une toile qui me correspond absolument et qui doit être affichée, enfin encadrée et mise au mur de chez moi. J'ai connu en premier donc Jackie, hein, forcément, puisque c'était une ancienne collègue de travail à moi. Et donc j'ai connu en tout premier Nanou. Parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et c'est comme ça que j'ai connu Nanou, Isa et donc par déduction Steph. Parce que Steph, je te connais par rapport à ces 3 filles, Jackie, Isa et Nanou. Voilà. Et donc je suis très contente de participer. C'est ma première toile Oraloa. Je vous avouerai que j'ai eu un mal de chien à m'habituer au diamant carré de Oraloa. Je pense que c'est parce que j'ai posé des diamants entre guillemets qui étaient de moins bonne qualité. Et le fait que les diamants se touchent, c'est loin d'être évident. Donc voilà, quoi vous dire de plus. J'habite à la campagne, dans un petit village de 150 âmes. Je suis aide-soignante de nuit. Donc c'est pour ça que je suis un peu en décalage avec tout le monde et que de temps en temps, je n'ai pas trop le temps de m'attarder quand même sur YouTube, dans la mesure où, moi je travaille la nuit, mais je dors le jour. Donc c'est un peu compliqué. J'habite en Lorraine. Voilà, je suis à un quart d'heure de notre famille, de notre fameuse, je veux dire, Jackie. Voilà, Steph, quoi te dire de plus, je ne sais pas. Je te fais plein de bisous. Je te dis à bientôt. Alors, dans un prochain bistrot. Alors, il faut savoir que tu m'accompagnes au travail. Voilà, je regarde en replay tes bistrots et ce que tu fais au travail. Voilà, quand j'ai une pause, tu me tiens compagnie. Allez, à tous, bye bye. Et donc là, après le Nefertiti et le Toutankhamon, je suis sur 7 ans courci, toujours sur le thème Égypte, parce que vraiment un thème que j'adore. J'en ai encore beaucoup à faire. Et vu la taille de la toile, je vais vous montrer. J'ai fait 65 par 1m30, donc j'ai de quoi faire. Voilà, je voulais vous présenter cette petite activité. Voilà, donc, outre la toile Vaillonnette de chez Oraloa, je voulais vous présenter aussi ma deuxième passion, qui est le canevas, que j'ai découvert ça quand j'étais vraiment petite, je devais avoir 10 ans. J'ai vu ça grâce à ma grand-mère, qui m'a beaucoup appris. Et du coup, ces deux-là, je les ai réalisés, je devais avoir 14-15 ans à peu près. Et je trouve que c'est une activité qui se perd. Je ne vois plus beaucoup. Maintenant, les jeunes, quand on leur dit canevas, ils ne savent même pas ce que c'est. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment une belle activité. Ça détend bien aussi bien que le diamond painting
ou le point de croix. Ça se ressemble au point de croix, sauf que ça, ça se fait au demi-point. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie. Je fais une petite vidéo pour vous montrer mon avancée pour le trio infernal, le projet printemps. Donc j'avais choisi la toile mosaïque de Vaillounette. J'ai pas trop mal avancé, malgré mes petits déboires que j'ai eu avec les diamants 310. Et là, j'ai eu un petit problème de colle. J'ai absolument plus de colle, donc je vais devoir faire comme Stéphane, prendre la petite souris de colle pour ajouter de la colle. Sinon, bah, j'ai utilisé, depuis que j'ai découvert Serge grâce à Nanou, le beau stylet et la pince en céramique. Franchement, je ne m'en lasse pas, c'est indispensable. Bonsoir le bistrot. Alors moi c'est Audrey, vous m'avez déjà entendu. La dernière fois j'étais en vacances chez une amie en Bretagne et j'étais dans une petite installation de fortune. Et donc là je voulais vous montrer un petit peu mon chez moi, comment je me suis organisée. Donc je suis en train de travailler sur le défi du trio infernal et voilà un petit peu mon bazar. Alors là, tout ça là, c'est pour une toile. Qui est derrière moi, je vais vous montrer après. Là, c'est cette toile-là, et en dessous, c'est une future qui n'est pas encore faite. Ça, juste pour le fun, c'est un DP que j'ai fait il y a quelques temps. Là, je voulais vous montrer mes en cours. Donc, celui-ci, c'est pour le défi bleu qui a été fait par Letty Blue Color pour sensibiliser à l'autisme. Et puis bah, comme d'habitude quoi, moi je ne sais pas m'arrêter à un seul DP, donc ceci c'est ce que je fais dans mon lit parce que je dois souvent travailler depuis mon lit parce que je ne tiens pas assise très longtemps. Ici c'est donc là où je m'installe. En dessous vous avez des tas de boîtes où je range mes DP, et puis là en dessous vous avez des tas de DP et puis de la peinture aussi parce que je fais de la peinture par numéro. Et puis ici vous avez mes points de croix en cours, donc il y en a un tout petit peu plein. Et puis là-dedans c'est mes dessins à gratter que j'ai aussi en cours et ceux qui sont terminés. Et puis donc ici c'est mon fil noir, je dirais, puisque c'est une toile qui fait plus d'un mètre, hein, vous voyez là. Et moi j'ai fait, pour le moment j'ai fait ça, il y a 275 couleurs et ben ça m'a déjà pris 15 heures je crois. Bon, j'en profite pour vous montrer un petit peu les jolis petits tableaux que j'ai chez moi. Et donc voilà, vous avez un peu tout le bazar et l'énorme tas de coussins sur lesquels je me pose pour pouvoir travailler, et la petite estrade que je me suis construite avec du polystyrène, du bois et un petit tissu de récup pour pouvoir être bien. Et ici mon fidèle ami sur lequel je pose mon téléphone pour regarder tous mes petits youtubeurs que tous les matins pendant que je fais mon DP. Et là, une jolie petite tasse personnalisée par 3D Artériel, là, puisque quand même, voilà. Ok, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis bah, à bientôt pour un nouveau bistrot, j'imagine. Coucou les amis, on se retrouve sur notre petit bistrot du DP de notre ami Steph. Ouais, en ce moment... je dis que des conneries sur mes vidéos, donc ne m'en veuillez pas. C'est peut-être les traitements que je prends qui me fait faire des conneries. Enfin bon, bref, j'espère que tout le monde va bien. Donc moi, je voulais vous montrer bah, l'avancée de ma toile sur notre thème printemps. Voilà. Donc du coup, moi, j'avais pris la toile Oraloa Beach. Voilà. Donc je vous en ai parlé sur mes petites vidéos pour vous montrer l'avancée, mais du coup pour ceux qui sont pas abonnés ou qui viennent pas voir mes vidéos, et ben comme ça vous la voyez sur la chaîne de Steph. Voilà, donc elle est, mais franchement, alors moi j'ai rajouté des petits strass là, voyez, par ici, par là,
Là, par contre, on a des AB, donc ça, c'est d'origine. On va essayer de faire la mise au point. Des petits AB sur la toile. Et c'est un plaisir, cette toile. Je kiffe. J'en discutais avec Isa et Steph et je leur disais, oh, c'est un pur kiff cette toile. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas trop de confettis. Comme vous pouvez le voir, il y a des grands emplacements, on va dire, en parlant français, où on a la même couleur. Donc du coup, ça va vite déjà. Donc c'est nickel. Alors ça va vite. Ouais, certes, il y en a, ils ont déjà fini leur toile. Moi, non. Bon, j'ai eu une petite interruption. Hospitalisation, donc du coup j'ai pas fait de DP, mais là je me reprends, voilà, et je précise, chacun va à son rythme, donc on a jusqu'au 30 juin, donc vous prenez pas la tête si vous voyez des DP déjà finis, tant pis pour eux, ou alors ils en font un deuxième, mais nous on y va tranquille, voilà. Et ben écoutez, merci encore à toi Steph de nous faire ce petit bistrot. Et merci à tous qui nous ont rejoints dernièrement. Il y en a certains qui sont venus m'envoyer un message en disant « J'ai acheté une toile récemment, est-ce que je peux participer ?» Mais oui, no problemo. Vous avez jusqu'au 30 juin, donc allez-y, foncez. Donc vous venez vous inscrire sur le groupe Facebook DP Passion. Vous pouvez aussi mettre vos avancées sur le groupe DP Passion. J'ai fait un petit album. Voilà, et puis on se dit à bientôt. Je sais pas quand Steph nous fera peut-être un autre bistrot d'ici 15 jours, 3 semaines. Comme ça, on verra nos avancées. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Et merci à tous d'être là et présents. Et pour tous vos petits messages me concernant, ça m'a fait énormément plaisir. Je vous embrasse bien fort. Aloha! Ciao, ma patate! Salut les abonnés de Steph Art. C'est Léa. Ça fait longtemps, hein? Bon, c'était pour vous dire de bonnes nouvelles de moi. Et voilà. Actuellement, je suis en train de faire un DP de cheval de action. Voilà. Je sais pas, dis-moi, madame, qui a des DP en cours. Faut les finir. Lol, MDR. Et donc, voilà, je n'en suis à là. Donc, voilà. Et je remercie encore Steph de m'avoir attiré dans son blast off. Et je vous fais des gros bisous. Et ciao, ciao. Hey, salut tout le monde. Alors, on se retrouve sur le bistrot du DP sur la chaîne de Steph Art. Donc, Steph, je te remercie. C'est super gentil de m'avoir invité à faire une vidéo pour ton bistrot. Ça me fait super plaisir. J'adore le concept de faire découvrir des chaînes à tout le monde, c'est super sympa, tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur, toujours. Du coup, moi, je me présente, c'est Sarah, de la chaîne Sarah Diamante. Je suis toute petite sur YouTube, je pense être aussi une des plus jeunes, j'ai 22 ans. Et ensemble, on fait des vlogs. Et... on fait des vlogs où je vous parle un peu de tout et de rien. Je vous montre aussi... j'ai une maison qui est en construction, donc je vous montre ma maison aussi dans les vlogs. On fait beaucoup de DP, beaucoup de DP, beaucoup, beaucoup. J'adore ça. Et... comment vous dire... du coup, je fais beaucoup de vlogs avec des tags. Et... pour vous dire, la prochaine vidéo, enfin une des prochaines vidéos qui sortira sur ma chaîne, ce sera une toute première pour moi. Je suis tellement pressée de l'attaquer. Ce sera la vidéo pour préparer cette toile. Voilà, en 70x90. Ma première Oraloa que je ferai. J'ai tellement hâte. Parce que, vous savez, hein, sur la chaîne de Steph, c'est Oraloa à fond. Et donc, du coup, j'en entends tellement parler que j'étais obligée de craquer. J'ai tellement hâte parce que là, je vous avoue que je suis sur ma DAC. Et j'ai abandonné la pose à la pince parce que même à la pince, c'est pas très droit. Hop, je sais pas si vous allez voir. Bon, en vidéo, ça rend toujours mieux qu'en vrai. Hein. Donc, voilà. Donc si vous voulez découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur ma chaîne. On n'est pas nombreux, on est à peu près 70. Mais moi,
Ça me va, on discute tranquillement entre nous, on partage toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Ah, ça fait toujours plaisir. Donc là, les prochaines vidéos, nous irons en Champagne pour voir une mise en place des vignes, l'entretien annuel. Hein. D'ailleurs, je fais un gros bisou à ma Marie. Ce que tu fais, c'est, ça demande beaucoup de courage et voilà, tu es une femme et ça montre bien que c'est pas que dédié aux hommes, malgré que je sais que c'est compliqué, mais voilà. Donc ça aussi, je tenais à vous montrer parce que c'est important. Comme on a dit qu'on montrerait un peu de tout, de la diversité, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. On vous montrera également dans ce bistrot des stylets de Serge Restori. Et après, je vous emmènerai sur un autre support. Vous comprendrez, je vous en parlerai tout de suite après les autres personnes. Donc il faut savoir aussi que, comme je le dis toujours, le bistrot est ouvert à tout le monde. Donc, et à tout support. Donc aussi bien que ce soit sur YouTube, aussi bien que ce soit sur Facebook, aussi bien sur TikTok, sur Twitter, sur Twitch, voilà. Donc faut laisser de la place à tout le monde, faut faire connaître tout le monde, c'est le but de ce bistrot. Comme j'ai toujours dit, tout le monde est bienvenu du moment que c'est dans la bienveillance. Allez, je vous laisse avec Marie et ses vignes, à tout de suite. Voilà, je vous présente mon homme, Daniel Mossé, 59 ans, qui fait atelier pliage avion en papier avec ses petits-fils. C'est un loisir créatif comme un autre. Hé, hey, t'as vu celui-là? Il s'ouvre. Mais attends, Swan, t'as pas le droit d'être sur la vidéo. C'est quoi, ça? Tu finiras. Papy te fera voir après. J'ai dit, il a pas le droit d'être sur la vidéo. L'autre, il passe devant la vidéo. Non, on l'aperçoit à peine. Les amis du bistrot, c'est Patricia. Eh bien, aujourd'hui, je vous montre un échantillonnage de civets que j'ai de chez Serge Restori. Ils sont tous très, très beaux. Regardez. Celui-là avec comme une perle au milieu. Regardez comme c'est beau. Voilà. Et alors, le dernier, qui est une pure merveille. Regardez. Oh, c'est trop, trop beau ce que fait Serge Restori. Voilà. Un petit échantillonnage de civets. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je m'appelle Jacinthe. J'ai 61 ans, puis je viens du Canada. Eh oui, une Canadienne. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous parler, c'est un petit peu en rapport avec ce que Steph, un petit peu beaucoup, avec ce que Steph a parlé cette semaine, la santé. Alors, par expérience, je peux vous dire que l'EDP, c'est un relaxant naturel. Pour ma part, je souffre de fibromyalgie depuis 30 ans. Je suis limite maladie de Crohn, colon irritable.
et etc., et etc., ce qui s'ensuit d'autres problèmes de santé. Alors, pour moi, le DP, c'est quand je me plonge dans mon DP, je me concentre sur des pensées positives, sur les belles couleurs que je vois et tout. Et ça aide un petit peu à passer au travers des autres douleurs. Alors, je vous dirais, quelqu'un qui pense que c'est juste poser un petit morceau de plastique sur une toile, c'est pas ça. C'est un relaxant. C'est tu tombes dans un autre univers. Puis, croyez-moi, ça aide. Ça aide beaucoup. Puis, Steph, il parle pas au travers de son chapeau. Alors, je vous reviens sur une autre vidéo, un autre jour peut-être, et je vous fais des gros bisous. Gros bisous à toi, Steph. Bye, bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, donc du coup, je vous présente un petit peu l'avancée de la toile, du projet Oraloa Printemps du Trio Infernal, donc avec Stéphane, Isa et Nat. Donc voilà, j'en suis à peu près à la moitié, donc malheureusement je avance tout doucement, je m'y consacre à peu près 1h30, 2h, grand maximum, donc avec le travail forcément c'est pas évident, mais en tout cas voilà, au niveau des couleurs je suis très contente, vraiment elle est très très sympa à faire. Bon, le seul souci, c'est qu'il y a énormément d'écarts. Ça, par contre, alors, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'ils ont changé de fournisseur. Je ne sais. Voilà, bref, je n'en dirai pas plus. Mais dans tous les cas, franchement, voilà, je suis déçue au niveau de la pose, en tout cas. Bon, là, de loin, ça ne se voit pas. Mais franchement, je trouve que voilà, il y a énormément d'écarts et j'en suis. Enfin, je suis assez désappointée. Voilà, pour rester polie. Voilà. Donc là, c'est un projet donc du coup que je vous ai dit que je fais avec le Trio Infernal et par la suite je ferai la toile Dragon de chez Oraloa également. Donc je crois que elle s'appelle Dragons Over the Landscape, si je ne me trompe pas. Donc que je ferai avec Stéphane, voilà, en projet. Donc si éventuellement il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à nous, n'hésitez pas. Si vous avez cette toile là, n'hésitez pas. Alors c'est une toile en carré, je précise, parce que bon, voilà, je sais qu'il y a des teams ronds, teams carrés en ce moment, donc si vous préférez le rond, bah malheureusement elle ne sera pas en rond, elle sera que en carré, voilà. Et donc du coup voilà, donc si vous souhaitez venir la faire avec nous, bah ce sera avec grand plaisir, hein, n'hésitez pas. Petite chose aussi en aparté, la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, j'ai fêté mon anniversaire. Bon, malheureusement je suis obligée de baisser un petit peu la voix parce qu'il est que 6h30, voilà, donc oui, je sais, c'est pas forcément l'heure de faire des vidéos, je le sais, je le conçois, mais malheureusement je n'ai pas trop le choix parce que sinon je vais oublier cet après-midi, donc j'ai préféré faire ça tôt le matin, sachant qu'en plus je dois aller travailler dans une demi-heure, donc voilà, c'est pour ça que je me dépêche. Donc dans tous les cas, voilà, je vais juste vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu en cadeau d'anniversaire, parce qu'il y a quelques jours j'ai fêté mon anniversaire, oui, le 21 avril. Et donc du coup, j'ai reçu un petit objet qui est sympa à faire, qui est en bois. Alors c'est comme la chose que je vous avais montrée sur l'une des dernières, je crois que c'est l'un des derniers bistrots, je crois, de mémoire. Si je me trompe pas, Stéphane, tu me diras. Mais ça ressemble un petit peu. Alors c'est du contreplaqué également. Mais sauf que ça se met entre les livres, donc c'est un notebook, mais un book nook, voilà, c'est ça, un book nook. Donc voilà, donc je vais pas vous le présenter, parce que bon, j'ai pas forcément trop le temps, je suis désolée, mais voilà, je vais vous présenter juste l'image. Voilà, donc du coup, ça va ressembler à ça, donc c'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, j'ai trouvé ça super mignon. Donc c'est ma sœur qui me l'a offert du coup pour mon anniversaire. Et franchement, je suis ravie. Franchement, j'espère que ça fonctionne. Enfin, j'espère qu'au niveau du mécanisme, tout ça, ce sera cool à monter. Mais voilà, il va y avoir quand même pas mal d'heures dessus à travailler. Voilà. Bah écoutez, moi sur ce, je vous fais des bisous.
En tout cas, merci d'avoir regardé la petite vidéo. Je sais, je suis pipelette, hein, comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé du coup à cet événement au Raloa, hein, à tout le monde. Parce que franchement, on est une super belle équipe et franchement, ça fait super plaisir de voir ça. Et bah, écoutez, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Allez, ciao, bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot du DP. Et aujourd'hui, je vais moi vous parler d'un loisir créatif qui me tient à cœur. C'est une couverture météo que je fais en crochet. Alors le crochet, je suis absolument pas douée. C'est en fait, je sais faire qu'un seul point. Voilà, c'est le point que je fais là. Et le but, c'est de faire en fait tous les jours une rangée avec le temps qu'il fait à midi. Enfin, pour moi, à midi. Il y en a qui le prendront à 9h du matin, il y en a qui le prendront le soir. Mais moi, je prends la température à midi. Et du coup, moi, j'ai ceci. Voilà, avec les températures. Donc, le violet foncé, c'est quand il fait moins de 1 degré. Le bleu foncé, c'est quand il fait entre 5 et 0 degré. Le bleu clair, c'est quand il fait entre 6 et 10 degrés. Le gris, c'est quand il fait entre 11 et 15. Le rose, c'est quand il fait entre 16 et 25. Et le rose plus foncé, c'est quand il fera plus de 26 degrés. Voilà. Donc là, ma couverture, il y a 200 mailles. 200 mailles, elle fait à peu près 1,15 m de large. Et depuis le 1er janvier, tout à l'heure, j'ai pris mon mètre, j'ai mesuré, elle fait déjà 91 cm. Donc imaginez, 91 x 3, puisqu'il y a 12 mois, là ça fait 4 mois, 91 cm. Alors je ne suis pas une experte en crochet, loin de là, mais c'est vraiment un challenge pour moi, parce que je me suis lancée ce défi, et je me suis dit, ben, lorsqu'elle sera terminée ben voilà, j'ai déjà fait un point n'importe quoi. Lorsqu'elle sera terminée en fait au 31 décembre, ben je serai super contente. Voilà, donc ça me prend à peu près, on va dire, un bon quart d'heure par jour pour faire tous ces points. Donc là, cette semaine, là je fais la vidéo, on est le 25 avril, le mardi 25 avril, il faisait 9 degrés à midi. Et on peut voir que j'ai du rose au niveau de ma couverture, juste en dessous. Et en fait, le rose, ça veut dire que dimanche, il faisait 16 degrés à midi. Voilà, on va dire qu'on a eu un mois d'avril quand même plutôt clément. Mais j'ai pas énormément de températures vraiment négatives. J'ai vraiment, en janvier par exemple, janvier, il faisait quand même plus de 10 degrés. Entre 5, je sais plus, entre 11 et 15 degrés début janvier, vous voyez, hop, hop, hop. Et puis après, ça a commencé un petit peu à refroidir. Mais là, j'ai vraiment que deux températures vraiment basses. J'ai que ça, j'en ai trois, je crois. Oui, j'ai trois jours qui étaient vraiment à moins de 1 degré. Que trois jours. Et le reste, franchement, les températures sont plutôt clémentes. Voilà, alors c'est pas parfait, il y a des trous, etc. Mais c'est pas grave, c'est ma couverture météo. Donc ça s'appelle un cal en fait. Et ça, c'est proposé par Edith, qui a une chaîne, qui est l'atelier de Didith, qui propose en fait ce cal. Et chaque personne prend en fait les couleurs qu'ils veulent. Voilà, donc voilà, c'était juste pour vous montrer cette couverture météo. Je vais essayer de vous la montrer tout d'un coup, voir que vous puissiez voir à quoi elle ressemble pour l'instant. Je suis debout sur une chaise. Essayez d'imaginer pour vous montrer entièrement la couverture à quoi elle ressemble pour l'instant. Donc tout en bas, là ici c'est janvier, et là en haut c'est fin avril. Voilà où j'en suis. C'est 91 cm, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, ça c'était donc mon petit projet, mon gros projet couverture météo que j'ai fait en crochet, que je fais tous les jours. Donc comme vous pouvez constater, hein, les couleurs, il n'y a pas eu énormément de froid hein, en Lorraine chez nous. Hein, il n'y a vraiment eu qu'un tout petit peu vers là, ici. Alors je ne sais plus les mois, peut-être un petit peu janvier, février, mars un petit peu. Mais là, voilà, à partir de mars, avril, il ne fait pas non plus des températures très froides.
Donc voilà, voilà, c'était, je voulais juste vous montrer ça. Et ben, je souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne soirée dans le bistrot du DP. Et je remercie encore Steph pour cette initiative, car franchement, c'est vraiment génial. On voit plein de belles choses. Allez, gros bisous tout le monde. Ah, Marie avec ses vignes. Le mari de Tania qui fait un atelier création d'avions pour ses petits-enfants. C'est tout mignon tout ça. Non, comme je vous ai dit, c'est bien de montrer un peu de diversité et de montrer que voilà, il y a des gens aussi derrière qui ont du travail, qui ont beaucoup de choses à faire. Et puis une passion énorme aussi, c'est de s'occuper de ses petits-enfants pendant les vacances scolaires, ce qui n'est pas des moindres non plus. Ces petits-enfants-là ont toujours de la chance d'avoir encore leurs grands-parents, de profiter. Ça, c'est énorme, c'est un trésor inestimable. Voilà, et c'est bien de le soulever. Partons sur la troisième phase de ce bistrot. Et oui, déjà. Hein. Donc, j'ai des contacts sur TikTok. Leur passion, c'est faire des lives, des vidéos sur TikTok. Donc c'est bien, c'est très bien. Donc alors TikTok, beaucoup ne l'utilisent pas comme support, ou alors moi de même, hein, j'ai un TikTok, mais c'est vrai qu'il faudrait que je me relance là-dedans. Mais des fois, il y a tellement de choses à faire et puis c'est un peu compliqué d'être un peu partout. Si on s'expose un peu partout, après, il faut tout gérer. Ce n'est pas toujours évident. Mais ces gens-là, donc vous allez voir principalement deux personnes, donc ont un support TikTok, ont un compte TikTok. Et vous allez voir, ils vont se présenter. C'est aussi sympa d'aller faire un tour là-bas. Donc on va commencer par Nadège qui a un TikTok, qui fait des lives, et ensuite nous irons voir Nico pareil, qui a un TikTok, qui fait régulièrement des lives, des vidéos sur sa chaîne TikTok. Donc moi j'ai dit c'est bien de faire un peu de montrer un peu autre chose que à l'habitué. Que vous soyez un peu, que vous voyez un peu de changement dans ce bistrot. Voilà. Donc c'est pour ça que je leur ai demandé. Je dis écoutez, si vous voulez venir sur le bistrot, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Et ils m'ont fait gentiment une petite vidéo de présentation. Comme ça, vous verrez si vous avez envie de les suivre, eh ben, allez-y. Vous verrez, ils vont donner leur pseudo TikTok et voilà. Et je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce petit bistrot. Encore merci à tout le monde d'être venu. On se redonne rendez-vous en septembre. Je viendrai fin août pour vous donner des informations. On montrera également début septembre, on montrera tout l'événement du trio infernal. Et on vous parlera d'une petite surprise qui arrive au mois de septembre. En attendant, portez-vous bien. Je vous laisse la suite sur TikTok. À bientôt. Gros bisous. Eh bien, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas. J'ai 37 ans. Je travaille dans le commerce et je partage ma vie entre le centre de la France et Montpellier. Voilà, c'est un peu tout le temps des allers-retours et j'aime ça. Sinon, évidemment, je suis fan de Diamond Painting. J'en fais maintenant de façon addictive depuis 4 ans. C'est quelque chose que je ne peux pas me passer. Si, par exemple, là, je suis parti à Montpellier la semaine dernière. Si jamais j'étais sans mon DP, je me serais senti super mal à en déplaire à mon âme sœur. Mais c'est comme ça. Écoutez, j'adore faire du Diamond Painting. Et par rapport à ça, j'ai décidé de créer ma chaîne TikTok il y a maintenant quelques mois. C'était fin janvier. Vous pourrez m'y retrouver d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à moi, à Nico, N-I-K-O, trait du 8, GSB. J'y fais du contenu unboxing, j'explique plein de choses, ce qui moi m'a servi pendant 4 ans
Et je parle surtout de cette passion qui envahit mon quotidien et où j'avais personne pour qui en parler, avec qui en parler depuis ces 4 ans, puisque dans mon entourage, personne ne fait du diamond painting et personne ne veut s'y intéresser. Voilà. Du coup, ça m'a permis, moi, de m'ouvrir sur cette passion et d'en parler aux gens. Ça a l'air de plaire, donc c'est cool. Sinon, que vous dire de plus, je suis actuellement en train de faire un diamond painting de chez Oraloa. Oraloa, une valeur sûre. Je fais un diamond painting de Elena Gina qui s'appelle Nice Surprise. Ça représente le petit chat comme ça, en diamant carré, en 85 cm sur 60 cm. Voilà. J'en suis arrivé à la moitié. C'est un DP que j'adore faire. C'est une compagnie que j'aime beaucoup. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, merci à Steph de m'avoir permis cette petite présentation. Hein, je te fais des gros bisous, Steph, et je vous fais des bisous à tous. À bientôt et merci de m'avoir écouté. Salut. Coucou tout le monde. Coucou Steph. Merci déjà voilà, de m'inviter pour faire cette petite vidéo pour parler justement de ma toile en cours dans ton bistrot. Je suis vraiment voilà, dans le bistrot du DP. Je suis vraiment flattée voilà, que tu m'aies de retour proposé voilà, de faire une petite vidéo. Donc, eh bien voilà, je vais parler de ma toile en cours. Donc, c'est un chat, en fait, que j'ai acheté sur Home Fun Official Store, en fait, sur AliExpress. C'est une toile 90 par 90 cm. Elle a 47 couleurs et c'est une toile en diamant carré. Et c'est une merveille. Je vais vous montrer une photo. Voilà. Donc, voici la petite photo de la toile en cours, en fait. Et c'est une merveille à faire. Et justement, je la fais en commun avec Jordan Un Brin Barbu. Lui, il l'a fait par 120 par 120. Et du coup, on est bien content voilà, de la faire, de faire cette toile en commun ensemble. Et c'est vraiment une merveille à faire, vraiment. Et en ce moment, justement, je suis aussi sur TikTok. Je fais beaucoup, ça fait quelques mois déjà voilà, que je suis sur TikTok. Depuis le 31 décembre 2022, j'ai fait mon premier live à ce moment-là, parce que j'ai eu mes 500 abonnés le jour de la nouvelle année, en fait, du réveillon du jour de l'an. Et depuis, ben voilà, je fais beaucoup de lives sur TikTok. Donc, si vous voulez me suivre sur TikTok, c'est le même nom qu'ici. En fait, c'est Nadlover RDP. J'ai aussi un deuxième compte qui s'appelle pareil, c'est Nadlover RDP 5. Voilà, j'ai deux comptes. J'ai aussi un Instagram, j'ai aussi une page perso sur Facebook et c'est exactement le même nom, en fait, avec la même photo de profil. Donc, voilà. Et en tout cas, c'est vraiment une merveille à faire, cette toile. Comme vous pouvez voir, elle est très colorée. Elle est vraiment très, très, très jolie. C'est vraiment un plaisir à poser les diamants. Je le répète, c'est Home Fun Official Store, en fait. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup la faire, en fait. Et en plus, je travaille avec les plateaux de Jordan Un Brin Barbu, justement, comme vous pouvez voir, en fait. Et voici les diamants, justement, la couleur que je vais poser, là, justement, en vert. Et avec le stylet en résine d'Un Brin Barbu qu'il a fait. Et que j'adore, c'est mon chouchou, ce stylet. Il est léger, il est super bien. Enfin, voilà. En tout cas, Steph, je voulais vraiment te remercier voilà, de m'avoir invité pour faire cette petite vidéo. Je te fais des gros bisous. Je suis super contente que tu aies repris le bistrot du DP parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder. Et en tout cas, je te remercie beaucoup. Je te fais des gros bisous. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous retrouve sur TikTok si vous voulez me suivre. Donc, comme je disais, Nadlover RDP. Et en tout cas, j'aurai plaisir voilà, à discuter avec vous si vous venez me voir sur mes lives. Je fais souvent des lives avec Jordan, justement. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et merci. Bye bye.